Un point peut résumer la course-poursuite du volet féminin français derrière l'ogre cannois. Malgré les attaques, malgré l'envie, malgré l'audace, Cannes finit toujours par l'emporter. Fortes de leurs 12 titres consécutifs de championne de France, les filles du RC Cannes écrasent la discipline. Dans leur pas, la SPTT Mulhouse tente chaque saison de bousculer la hiérarchie. Une victoire en match aller de la finale en 2008 a fait naître les plus beaux espoirs, douchés depuis par une saison 2009 où les Alsaciennes n'ont piqué qu'un malheureux 7 aux sudistes en 5 confrontations. Samedi soir, dans leur palais des sports, les filles de Magali Magaï ont été battues une nouvelle fois, mais leur prestation de haut vol laisse croire que l'écart entre les deux formations n'est plus qu'un film. Je pense qu'on leur fait peur. Je pense qu'aujourd'hui, Cannes a peur de Mulhouse, donc ça c'est déjà très important. Je pense que oui, on est proche de Cannes, on n'est pas si loin, on a encore beaucoup de travail. Mais je pense que cette année, on est bien là et qu'on a perdu le premier round. Un air de revanche plane donc sur cette nouvelle saison. Le Racing Club de Cannes, archi-dominateur dans l'Hexagone, n'est plus aussi brillant sur la scène européenne. Les filles de Yan Fang, aux manettes de l'équipe depuis 1993, ont donc un grand besoin de voir revenir à leur niveau une équipe tricolore. Être compétitive sur la scène européenne est un sprint. C'est bien d'avoir les équipes comme Mulhouse en championnat de France parce que peut-être c'est Mulhouse et Cannes, c'est les équipes qui peuvent nous mettre en difficulté et la preuve à chaque fois, en fait, ce n'est jamais très facile pour nous. Et tant mieux, ça nous manque un petit peu parce qu'il nous faut des matchs comme ça. Parce que les équipes italiennes ou les Russes, ils ont tellement l'habitude de jouer sous la pression tous les week-ends. Et nous, c'est vrai que malheureusement, ce n'est pas le cas. Si la SPTT Mulhouse peut rivaliser cette année avec l'ogre cannois, c'est notamment grâce à son recrutement. Anna Ribachevski, ancienne canoise, comme meneuse de troupe, Regan Hood et Dominika Sierradzan comme scoreuse. La jeune troupe alsacienne a des arguments de choc pour rivaliser avec les trentenaires canoises. Face au Rava, Poleschuk ou Salinas, la fougue mulhousienne peut faire mal. Elle l'a prouvé samedi soir. Là, on a vu qu'on a une équipe vraiment capable de rivaliser. On a aussi les individualités capables de rivaliser avec Cannes. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre l'année dernière et cette année. Ambitieuse et déterminée, la SPTT Mulhouse comble pas à pas son retard sur l'ogre cannois. Et si la saison 2010 était celle de Mulhouse ?